broads in the London. Just at the lean the family. Credit cards and the scams. Hitting the licks in the van. Hey, salut tout le monde, c'est Wilfred, j'espère que vous allez vraiment tous et toutes très très bien. Et aujourd'hui, je retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester des infections sur Call of Duty Black Ops 2 War Shell March, en espérant que pour la plupart ne marche pas. Celle que j'ai essayé en premier, c'est en fait une infection qui est censée te mettre niveau 55. Celle-là, Shell March, ça pourrait être sympathique. Du coup, j'ai pris un compte que je n'utilise plus, que j'ai dû réinitialiser au niveau 1 exprès pour faire ça. Espérons que ça marche, comme ça au moins il y a plus besoin de compte lobby et je vous en ferai plus gagner. De toute façon, je pense que j'ai arrêté sans vous mentir les concours des comptes lobby, parce que c'est trop galère. Bon, l'infection est terminée. Je crois que je dois aller dans le menu faire une décoroco ou une connerie dans le genre. Enfin, je sais pas. Oh non, non, mais ça marche. La vérité que ça marche. What? What the fuck? Putain, on va lancer une game en public. Tiens, il est en train de rager. Non, mais vraiment, ça marche. Attendez, quand même, on va aller faire une décoroco, parce que autant si jamais je fais la décoroco, autant ça marchera plus. Allez, petit turn. Et puis même, vous savez quoi, vu que soyons fous, soyons nous, on va mettre un 360. Ah, dommage. Bon, j'allais faire une petite décoroco pour voir si jamais vraiment ça marchait, parce que si ça marche, voilà quoi, c'est... Ok, donc je viens de faire la décoroco et ça marche bien, effectivement. Est-ce qu'on a... Est-ce que ça nous débloque aussi les cartes d'agent? Je suis pas sûr que ça nous débloque les cartes d'agent, pas DLC, mais Ghost et compagnie, là. Je ne crois pas, mais en tout cas franchement putain ça fait plaisir pour vous les gars. Donc voilà, donc je vais vous montrer où c'est quand même, comme ça vous pouvez vous mettre niveau 55. Alors vous allez dans les tendances, voilà, vidéo édité dans tendance, putain j'arrive plus à parler. Vous allez comme ça, hop là, erreur, tac, et là normalement il va apparaître niveau 55, le temps que ça charge, désolé, tac, et voilà. Vous prenez elle et normalement ça vous mettra niveau 55. En plus c'est du 26 j'aime et 26 likes, espérons que cette vidéo atteigne aussi les 26 likes. Bon, cette fois-ci, ça va être, à ce qui paraît, une infection pour avoir le M-Boss. J'espère vraiment que celle-ci ne marchera pas, parce que sinon, vraiment, ça va être le bordel sur BO2. Et comme vous allez pouvoir, j'ai un peu ralenti le rythme des vidéos sur Call of Duty Black Ops 2. Pourquoi, vous allez me dire, enfin, le rythme des vidéos et des lives aussi, même le rythme des vidéos tout court. Parce que ces derniers temps, j'ai plus trop envie de faire de BO2. Ces derniers temps, Call of Duty est en train de me dégoûter depuis qu'il y a Black Ops 4. Depuis que j'ai joué à la bêta de Black Ops 4, Call of Duty, c'est vraiment en train de me dégoûter, parce que la communauté est... affreuse, vraiment. La communauté est dégueulasse. Rien que sur la bêta, il y avait énormément de campeurs. Ça m'a pas mal dégoûté. Voilà pourquoi j'ai ralenti les vidéos. Et pourquoi les lives? Parce que ces derniers temps, je stream plus sur Twitch. En faisant du multigaming, ça me saoule un peu tout le temps de faire du Call of, du Call of, du Call of. Du coup, mon Twitch s'affiche à l'écran. C'est twitch.tv/ewilter. Ok, donc normalement, on va faire ça, ça. Alors normalement, ça devrait marcher, j'espère vraiment pas. Et oui, et du coup, je disais, genre, bon, on va mettre des bots et tout, on va pas faire ça un peu plus, voilà, je suis pas un fils de pute, hein. Bon, oui, et du coup, voilà, donc je vous invite vraiment à me suivre, on est plus 100 followers, on les a atteints il y a pas longtemps, donc un énorme merci à vous. De temps en temps, j'ai des annonces sur YouTube pour dire que je suis en live justement sur Twitch, histoire que vous me rejoigniez. Et voilà, et en fait, Twitch, ça me permet un peu de faire du multigaming, sans me dire, ouais, mais regardez, j'ai 3600 abonnés, je vais faire du 3 viewers et tout, là, non, là, j'ai 100, à des moments, on atteint des paliers. Des pics de 10 viewers sur Twitch alors qu'il y a 100 followers, et pour ça un énorme merci à vous. Et puis voilà, donc j'invite vraiment à me suivre si vous voulez me voir un peu sur d'autres jeux. Celui-là ne marche pas. Yes. Oh, j'ai vraiment flippé au début, hein. T'as le face wilter en action, les gars, le face wilter. 1 2. Il doit recharger, il se fait tuer par un lance-roquette et il arrête la partie parce qu'il a raciste et que ça l'a saoulé. Bon, on va essayer une troisième et dernière infection. Et après, voilà, j'espère vraiment qu'elle marchera pas. Enfin, ça dépend, je sais pas encore ce que je vais faire. J'aimerais bien avoir une infection sur mode menu ou quoi pour voir si ça marche. Et de toute façon, je les montre pas, à part le niveau 55, je les montre pour comme ça, ça vous permet d'être niveau 55 sans, en plus, vous pouvez mettre Prestige Master, vous passez le Prestige, vous retournez et tout, moi y compris. Ça vous permet d'être, d'avoir un niveau, un lobby sans avoir forcément de compte lobby. Et ça c'est génial. Bon, finalement je n'ai pas réussi à trouver d'autres infections et tout avant que ma PS3 s'éteigne, parce qu'elle s'éteigne tout seul, me demandez pas pourquoi. J'en avais pas trouvé, du coup je pense qu'on va mettre un terme à ce peut-être premier épisode, à cette vidéo. Maintenant, en tout cas, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui font ça. En tout cas, j'espère vraiment que de vous avoir aidé avec ce petit niveau 55, comme ça vous serez tout content et tout, vous pourrez avoir vos modes menus. Pour un épisode 2, on vise les 50 likes, on va dire qu'à 50 likes, on fera un deuxième épisode, un second épisode, et puis voilà. Moi, je vous laisse, c'était Wilfred, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine, allez, bye!